Bon, ils nous font chier avec leur pub de con. Hop. Jusque là, normal. Pour ça, après, quand je vais avoir mon PC, ça va être bien. Je vais mettre directement le live en... Comme ça, je pourrais voir comment ça se passe. Là, avec le téléphone, je peux pas trop. Mais oui, il y a eu un bug de 7 minutes. Exactement. Ah, quand même, hein. Ah ouais, au bout de 7 minutes, paf, hop, hop. Alors que moi, là, ça me met que 9 minutes. Bon. Bon, bah écoute, bonjour, bienvenue sur Goku02 TV. On reprend de là où on était, hein. Donc, exactement. On continue notre aventure avec... Donc c'est Goku, hein, comme d'habitude, et oui, c'est moi. Tac, tac, me voilà. Et avec mon copain pilote, Donc voilà, on va reprendre. Divinity, où c'est qu'il faut qu'on aille? Alors là, où c'est qu'on avait dit qu'on irait la dernière fois? Re mon poteau, re mon dragon. Je ne sais plus. Il y en a c'est plus ce jeu est juste voilà. On était à l'araignée géante. Oui. Donc sûrement pour continuer à grimpouiller vers le nord. Exactamente, le pilote. Au nord, bien plus au nord. Voilà, on a été noir, si je me souviens bien. On a été censuré par Twitch. On a été censuré par les Chinois du FBI. Les Chinois du FBI, parce qu'on disait du mal de leurs confrères. De Nipponyazan. Ah la vache. Bref. Donc salut à ceux qui viennent d'arriver. Hein. Donc il est où le pilote? Il est là-bas. Donc non mais dès que je commence à jouer un peu en coop avec quelqu'un, apparemment il y a des petits soucis. Mais de toute façon on essaiera de régler ça le plus vite possible en achetant des prises CPL. Mais est-ce que ça fera vraiment quelque chose? Alors, mystère et bubblegum. Si ça se trouve, je vais avoir plus de 100 euros dans le cul. Mais bon, c'est pas grave. On va essayer quand même. Pour toi, public. Pour toi, public. Ah bah oui, bah de toute façon, oui. Vis-à-vis des prix CPL, je le fais pour... pas pour moi, je le fais pour essayer d'améliorer la qualité du live. Déjà essayer de passer de qualité basse à qualité moyenne. J'ai besoin d'infos sur un autre jeu. Je peux? Bah bien sûr. C'est pas parce que je joue à Divinity avec GG que on ne peut pas me demander si c'est un jeu que j'ai fait. Je te répondrai. Hein. Ou même GG, il est là. Donc voilà. Si moi je l'ai pas fait que. Le conseil. Ah bon, lui c'est 10 balles. Voilà, tout à 10 balles ou grand balle. Voilà. Allez, hop, allez. 10 balles ou grand balle. Donc voilà. Moi, y a pas de souci. Hein, sur un autre jeu, vas-y. Hein, si je l'ai fait ou si j'y ai joué un peu ou voilà. Ou si je m'en souviens, parce que moi j'ai une mémoire de poisson rouge un peu quand même. Des fois je peux avoir fait un jeu il y a une semaine ou deux. La vieillesse, répercussions... On est plus tout jeune. Des répercussions un peu des cachets que je prenais un peu à l'époque aussi. J'ai remarqué ça, hein. C'est chaud quand même. Mais voilà. Cet alcool et toute cette drogue. Ouais, bah aussi. Que j'ai arrêté, hein, je tiens à préciser, hein, j'ai tout arrêté. Bien sûr, on précise qu'il faut... La drogue, c'est faut ne buvez pas, ne fumez pas, ne buvez pas, non. Et puis coller un peu, ça jamais tué personne. Ouais, ouais, je suis chez Orange, yes. Bon, il y a Orange, il y a Free, il y a SFR. Voilà, comme ça fait les trois, hein. Ouais, je suis chez Orange. Yes. Bouygues et Alice, enfin Bouygues puisque Alice n'existe plus. Non, ouais, mais Alice on s'en fout et Bouygues aussi. Je te dirais que SFR et Free, je m'en fous aussi. Elle était très intéressante. Comme elle était très très sexuellement attirante, Alice quand même. Alice, si tu me regardes, je suis un cœur à prendre. Si tu m'entends. Ou si tu m'entends, voilà pour les pilotes. Je suis à cœur à prendre.
Après, bon, bah, si tu veux pas que du cœur. Si c'est Alicio. Ouais, non, je suis pas de. Non, non, non. Si elle vient de Buenos Aires. Non, non, non. Non, je m'appelle pas Franck Ribéry. Il faut toujours couvrir ses arrières. Ouais, ouais, ouais. Ouais, donc oui, donc je suis chez Orange, mon poteau. Donc je sais pas. Je sais pas pourquoi tu. Question suivante, s'il vous plaît. Tu ouais. Ouais, parce que là j'ai perdu un peu le fil de où il veut en venir, parce qu'il me dit qu'il a besoin d'infos pour un jeu, et d'un seul coup il me parle de Orange. Bon, parce que j'ai parlé d'internet et tout, mais voilà. Après, peut-être que il a des trucs à me dire. Ah, j'ai pas envie de les louer aussi, non, j'ai pas envie de les louer parce que non, je vais les acheter. Écoute. Tu veux louer, toi ? Les prises CPL. Il dit que pendant un temps, on pouvait les louer, les prises CPL. Non, je vais les acheter. Je vais en acheter. Je vais en acheter. Ah, je vais acheter. Ça peut tout. Il y a un mec, là. Ouais, ouais, il y a un gars. Vas-y, parle-lui. Caravanier perplexe. Je vais les acheter. Oh, machin. Je vais acheter les prises CPL et puis... Attends, qu'est-ce qu'il vend, lui, déjà ? Ouais, mais bon, bref, juste pour essayer, ouais, c'est clair. Mais écoute, je vais investir et puis c'est pas grave. Au pire, je me les mettrai de côté bien au chaud pour quand je déménagerai. Et puis, voilà quoi. Mais parce que, je sais pas, il paraît que si ta maison est trop ancienne, ça marchera pas, machin et tout. Et nous, les maisons ici, elles ont... C'est le réseau électrique qu'il faut vérifier. En fait. Nous ici, elles ont... Les baraques, Elles ont plus de 20 ans. Elles ont vécu. Elles ont du vécu. Et du temps. Après, ouais. Je sais que le... Comment le... J'ai pas trop envie d'aller par là, moi. Le tableau électrique, il a été changé, ça je le sais, mais après, moi je sais que j'ai... C'est moi qui ai mis les doigts dedans. Non, bah oui, je fais, des fois il y a le disjoncteur, il saute un peu, donc j'y vais, clac, clac, tu vois, direct, tac, tac, mais comment... Oui, j'arrive. Après, ouais, de l'XP. Ah non, c'est... Après, ouais, tac, tac, bim, bam, boum. Après, je te dirais. Il y a pim pam poum là, regarde. Ouais. Après, je te dirais que les fils électriques, bon bah les câbles électriques de la chambre, c'est sûr, c'est du récent. Mais après, tout le restant, I don't know. Ah, tu l'as intimidé, ouais, moins un. Ah ouais, bah intimidé, je suis à 2, il est à 5. Donc franchement, prépare-toi au combat déjà. Mais je suis prêt, mon pilote, je suis prêt. T'inquiète pas. Parce toujours que moi, les pierres feuilles ciseaux, ça n'a jamais trop été mon délire. Bon, après, puis tout à l'heure, il fait pierre. Hein. Je suis prêt, je vais me mettre là. Oh bah, il y a des gens là-bas aussi. Donc, Wolfgraf. Bah, il fait que des pierres depuis tout à l'heure. Ah bah, je me suis fait avoir. Voilà, ça y est, on a échoué. Allez, on fait la bagarre. Il faut voir si les prises du bas ou du haut sont les mêmes. Oh putain. Wow. Bon, il va se calmer un peu là. Quoi, bon, il va. Moi, je te le dis. Si les prises du bas et du haut sont les mêmes, ouais. Non. La prise d'en bas, non. Enfin, après, ça dépend sur quel prix je vais la brancher quoi. Tiens. J'ai pris autant de dégâts. On est dans le on fire, mon pilote. Ouais, toi aussi t'es dans le fire. Ouais, moi je suis dans le fire, moi. Hop. On va y faire ça. Et ensuite. Ça commence bien, tiens, je vais me faire défoncer la gueule à peine arrivé. Et ensuite, on va se mettre là, laisser. Oh putain. Ah ouais, là t'es pas bien, toi, hein. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce que j'ai pris ou... Ben, il a fait attaque de feu, puis attaque de je te mets de la lave par terre. Donc voilà quoi. Donc, ouais, c'est le circuit électrique. Le circuit électrique, écoute. Oh, ben, je te dis, dès que je peux, dès que j'ai acheté ce qu'il me faut, et ben.
comment, dès que déjà faut, comme je disais la dernière fois, hein, faut que je m'achète une tour USB pour moi ma musique en priorité. Et après je vois pour acheter, avant d'acheter le PC, je vais acheter des prises CPL. Et après j'achète mon PC portable avec mon enregistreur pour faire les captures vidéo. Voilà. Et en avant, Tagada, prends soin. C'est quoi ça? Flèche de ralentissement. Flèche d'argent. Flèche explosive, flèche renversante. Tire-lui une flèche dans le chien. Dans le cucu. Ah bah tiens, flèche récupérée. S'il y a des différences entre Diablo 3, PS3 et PS4. À l'aise Blaise. Moi je te dirais que... Énorme. Voilà, voilà. Tu vois, t'as deux avis. Deux avis parce qu'on l'a tous les deux. Bien sûr, elles sont graves. Grave énorme les différences. Déjà, le Diablo PS3, si tu prends le Diablo 3, dedans il n'y a pas le Reaper of Souls. Le Diablo 3 de base, hein, comme j'avais acheté à l'époque. Donc après, faut mieux prendre celui sur PS4, hein, la version PS4, hein, je te le dis direct. D'ailleurs, faudra que je refasse un perso sur Diablo pour les lives, pour streamings. Faudra que j'envisage ça par la suite. Parce que j'ai pas de vidéo sur le YouTube de la chaîne de Diablo. Reaper of Soul, et qui est excellent d'ailleurs. Excellent. Je vous le conseille. J'ai pris beaucoup, énormément de plaisir à le faire. Bon, vous allez laisser mon skinette un peu tranquille. Non, c'est très bien qu'il tire sur skinette. Ouais, mais je suis d'accord, mais il voudrait jouer un peu le skinette. Il veut jouer quoi. Mais il a pris cher. Ouais, bah oui, il a pris cher, je le sais ça. Oh putain, lui il va. Bon. T'inquiète, je me le prends lui. L'autre genre, il tourne autour. Non, mais l'épéiste, il va mourir quoi. Il va même pas avoir le temps d'avoir fait une attaque. Qui va déjà crever quoi, direct. Bah c'est surtout qu'on n'a pas le droit de jouer. Bah ouais, non, pour l'instant on a pas le droit, hein. C'est interdit par la loi. C'est voilà, c'est faiblesse à échouer. Ah quand même. À mon tour. À Québec. Voilà. Ah. Donc ok, bon bah écoute. Akadok. Donc bah en fin de compte. Akadok. Ah bah voilà. Non mais. Et pourquoi je peux pas y tirer dessus. Bon. Et lui non plus. Je peux rien faire. J'ai sur PS3 Reaper of Soul depuis un moment, mais je me demande. Bah écoute, moi personnellement... Il y a un seul avantage au Reaper of Soul, enfin à la version PS3 plutôt qu'à la version PS4, c'est quand tu joues à deux en local. À deux en local. Ah c'est toi. Sur PS3, ah c'est pour ça que je pouvais pas te viser, c'est toi, c'est normal. Bah et si tu essayes de mettre une flèche dans le cul, ça va pas le faire, hein, c'est sûr. Si je vais pas le racheter sur PS4. Bah moi c'est ce que... Bah j'avais pas le Reaper of Soul, hein, mais j'avais le... Donc le... Le 3 normal, hein, sur PS4. Oh putain, il l'a ressuscité. Pédestre. Ouais. Mon épéiste, il a même pas pu... J'ai même pas pu... Il le battait. Moi je sais que voilà, j'avais pas acheté le... J'avais le Diablo 3 de base, hein, et je l'ai revendu... Enfin, je l'ai donné, j'ai acheté la... Et j'ai acheté la version PS4. Non mais laissez-moi. Ouais, moi ça fait un moment que j'ai pas joué quand même. Laissez-moi tranquille. J'aimerais bien avoir un peu le droit de jouer. Parce que dérange pas. Si ça vous dérange pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ouais, vas-y, va le fumer l'autre qui ressuscite là. Parce que... Ouais, attends, j'y envoie Nick. Et je vais sortir du on fire. Putain. Ou pas.
C'est quoi l'histoire du local sur PS4? Ben moi je joue pas en local donc j'en sais rien. Alors le local sur PS4, contrairement au local sur PS3 tu pouvais donc jouer. C'est qui faisait de la résurrection sur le... Attends, excuse, je te... Tout à gauche. À gauche. Donc c'est le... Pichette, là, avec le bâton. C'est l'archer donc. Ouais. C'est donc, lui. Donc en gros sur PS3 tu pouvais jouer à deux en local, tu avais le ton profil à toi. Qui prenait en compte le fait que tu es un compte PS3 en gros et que tu es un compte sur Diablo 3, et quand tu prenais un profil invité tu pouvais utiliser un deuxième personnage que tu avais créé sur PS4. Malheureusement quand tu connectes la deuxième manette tu es obligé de soit de créer un deuxième compte soit de... En gros, sur PS4, quand tu connectes une deuxième manette, tu te connectes sur un profil... Si tu te fous sur un profil invité, t'auras pas accès au deuxième perso, enfin à un autre perso de ton compte, en gros. Tandis que sur PS3, même si tu foutais une deuxième manette, t'avais toujours accès aux deuxième personnes de ton compte. Sur PS4, c'est pas possible, il faut que tu crées un deuxième profil. Et le deuxième perso, si tu veux jouer en local, il faut qu'il soit sur ce profil-là. Si les deux persos, ou les plusieurs persos que tu peux avoir fait sur Diablo, sont sur le même profil, sur PS4, avec un compte invité, tu n'auras pas accès. Tandis que sur PS3, tu y avais accès. C'est un peu la nuance. Je sais que c'est pas tout à fait clair, mais c'est pas évident d'expliquer ce qu'ils ont fait, hein, sur la PS4. Moi j'ai pas ce souci là, je ne joue pas. Tiens mon gars. Bah nous on a eu ce souci là, parce qu'on jouait. Ah ouais, bah ouais, toi tu joues avec So, oui. Moi non. Donc, et du coup on s'est retrouvé à plus pouvoir jouer ensemble en fait. Donc je trouve ça très con, hein, monsieur Sony PS4. Hein, bah c'est pas c'est là pas sur le coup pareil. c'est pas Monsieur Sony Diablo, c'est Blizzard plutôt, voilà ok pas grave super, madame a son compte un super truc ok t'avais un super truc sur PS3 et en basculant sur PS4 malheureusement tu tombes un peu dans le creux de la vague on va dire malheureusement. Bim. Pas j'ai pas eu le temps d'invoquer mon squelette encore, hein, quand même. Ouais. Il en reste encore deux, c'est ça? Ouais. Il y en a un juste devant toi et il y en a un juste devant le squelette. Je peux pas y taper dessus, j'ai pas assez de... Bon, d'accord. Ouais, je veux dire, il te tape pas énormément en fait. Mais normal. T'en parles. Attention. Tu poisonnes pas, attention. C'est vrai l'histoire des mages. Moi je suis overcheaté donc... Oui ouais. Moi je te fais un personnage du nouveau avec et pas sur PS4. Ah ouais bah oui il y a des mages oui moi je te le confirme qu'il y a des mages donc sur PS4 mais qu'il y a pas qui sur PS3 c'est plus possible quoi, il y en a plus, il y en a pas. Ah ouais il y a des mages ouais bah, en même temps après c'est logique que je te dirais. On n'est pas destiné à avoir la PS4 encore 10 ans, enfin la PS3 encore 10 ans. Ah ouais, c'est ça, je te le confirme, hein. Ça là-dessus, oui, c'est vrai. Après, bon bah moi, comme je dis, hein, je suis passé sur PS4, donc écoute.
Moi j'en ai plus. Il y en a plus ce problème. J'attends que Deadpool baisse un peu de prix. Ouais, bah pareil. Pareil pour le Deadpool, je le rachèterai. À corps perdu. Je le rachèterai sur. Sur PS4. Je sais pas. Ah ouais, sur Diablo, ouais, ouais. Bah bien sûr. Oui, oui, bah moi aussi, je te parle de Diablo. Diablo, hein. Depuis tout à l'heure, on parle de Diablo, donc oui, oui. Où ça qu'il y a des matelas? Où ça? Là où je suis. Tu es où? Je sais pas si on peut s'arranger dessus. Mais... Ouais, c'est... Ah ouais. Hop, allez, on s'allonge. On fait de dos. On récupère la life. Ah ouais, sur Diablo 3, donc oui, oui, je te confirme. Hop. Donc. Je vais me gratter la marbre. Feu de camp. On peut plus passer là. Je sais pas du tout. Tu vas devoir racheter une manette temps, ouais. Et Diablo. Oh, il y a encore des gars. Je t'attends, il y a encore des gars. Mais qu'est-ce que t'as foutu? Bah, je sais pas, pourtant j'ai pas le pied dedans. Hein. Qu'est-ce que t'as foutu, mon pilote? Bah, je suis mort parce que j'ai marché soi-disant dans la lave, mais bon. Mais non, bah, on a pas tout à fait les mêmes écrans, je dirais. Parce que moi, j'étais pas du tout dedans. Puis là, toi, ton deuxième personnage, il était complètement dedans. Ouais, mais. Lui, il a le droit en fait. Ouais, lui, c'est un ouf, lui, il a le droit de tout. Restez loin de toutes ces merdes rouges qui flamboient. Parce que ça, one shot quand même. Et ça, un petit peu abusé. Moi, c'est pour ça, manette, tu vois, même que je suis tout seul, j'ai direct. Pas à la sortie, hein, pas quand j'ai acheté la console, mais dès que j'ai pu, hop, j'ai acheté ma manette rouge. De toute façon, hein, celle-là, c'est obligé que je l'achète. J'ai acheté ma manette rouge pour être tranquille, hein, comme ça au moins j'alterne. Quand il n'y a plus trop les piles dans la rouge, et ben je prends la black. Et ainsi de suite. Ouais, moi j'ai fait la même chose, j'ai acheté la bleue. Et après j'ai l'intention d'acheter la silver et la gold. J'ai l'intention d'acheter ces deux-là après. L'autre, il va faire le VIP. Ouais, bah ouais. Hein. Very important prout. Exactement, monsieur. Ah, la cible allait trop loin. Bon. Hop. Ouais, j'aurais peut-être dû le rapprocher quand même. Pff, ça a échoué, mon gars. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ouais, moi c'est de toute façon faut que Diablo faut que je me refasse un perso. Après quoi exactement j'en sais rien. Sûrement un moine, hein, comme d'hab, de toute façon tu me diras. J'adore le moine russe. Et ouais, mon gars. Il s'est cassé la gueule. Il s'est cassé la gueule, le monsieur. Ouais, t'en avais un juste à côté. Tu t'es déplacé que t'en avais un juste à côté. Ah, tu pouvais peut-être pas le toucher, tu me dis, il est dans la brume. Si, mais le problème, c'est que celui qui ressuscite, c'est celui là-haut. Donc j'ai plus important de buter celui qui ressuscite. Je suis misé, mon gars, qu'est-ce qu'il y a? Oh punaise, il s'est mis dans l'invisible. Mais les gars, vous allez arrêter de vous mettre de l'invisible. Donc salut aux gens qui viennent d'Arrivesh. Mais non, pas ça. Voilà, c'est ça que je veux. Hop là. Tu la vois, la grosse bête dans l'escalier tout en haut? La grosse bête dans l'escalier. Quelle grosse bête? What? Où? Quoi? Qu'est-ce?
Non, je la vois pas. Tout en haut de ton écran, il y a un truc qui se déplace, regarde. Il vient de passer derrière la boussole. T'as pas vu? Moi, je l'ai vu. Il y a des escaliers. Oh, regarde, là, il passe, là. Il va passer juste à côté des barres de... Tout en haut. Tu le vois pas? Non. Non, je dois être... Je vois un bonhomme derrière de la lave, mais je ne vois pas de grosses bébêtes. À moins que ben, c'est la vieillesse, hein, je me fais vieux, hein, je deviens aveugle, mais voilà quoi. Je peux aller jusqu'au bout de ça. Merci de bloquer. Et crac crac badaboum. Crac crac boum boum biscotte. Oh, voilà, bien joué. Mais qui le patron? Le disbar, il se hop, sauve. Viens là. Il se sauve. Et fuit dans tout. Pas peur. Même pas de la peur. Un petit peu quand même. Ça va là. Tire pas 10 ans non plus. Ah mais lui il est... Non. Ah j'ai, oui c'est vrai que j'ai mes compétences aux Sims. Bon toi on va te je vais te tuer toi. Bah toi aussi il faut te tuer. Tous les tuer de toute façon, faut tous les tuer. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire du poison? Voilà, et de 1. Oh. Il n'y en a pas plus. Hop. Ah, mon squelette, il se relève. Très bien. Très très bien. Allez, tu le... Tu le... T'es là, t'es là. Bim. C'est quoi ça, médecin? On s'en fout. Comme ça, ok. Je vais te montrer comment ça marche. Eh mon gars, eh oui. C'est la fin pour vous. Exactement. Oh bah, et mon épéiste, il est déjà mort. Ah la 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 la. Ah là, t'es mort aussi mon gars. Il n'y a plus que les deux archers. Eh ouais.
contre, téléportez-vous. Eh ben, on va se téléporter. Et c'est. J'ai glissé, chef. Voilà. Bon, ça suffit. Eh, non, mais franchement. Ça le suffit, là. Hein. Attendez, bougez pas, les gars. Hop là. C'est sûr que c'est plus facile de gagner si t'as le droit de tirer 10 flèches sans qu'il se passe rien. Ouais. Bah ouais, écoute. Moi aussi, je vais me téléporter. Ici. Eh ouais, les gars, je suis là, présent. Tu te sauves, hein. Ça vous barrez, hein. Eh ouais, mon gars. C'est pas grave. Laisse-moi tranquille. Ouais, y a un autre miroir dans le coin. Ouais. Retour de Nick. Nick, il va te balancer ça dans ta couenne. Bim. Eh ouais, mon pote. Il arrive, Nick. Il a tapé une pointe au début et... Bah, grave. Et après, il ralentit un peu, quand même. Bon, je sais pas comment ça se fait que depuis qu'on est rentré dans ce donjon, je prends extrêmement cher en dégâts. C'est bizarre. Hop, voilà. Ouais. Je sais pas si d'ici est-ce que je peux l'atteindre d'ici. Ouais. Apparemment. Ça, c'est cool. Nick, ils vont faire ça. Il va y faire sa fête ou pas. Ah quoi que. Ouais, il se barre, il se barre. On va qu'il me tire pas dessus. Hop. Voilà. Le petit sprint de départ et après tu te calmes. Grave. T'as les flèches là. Un coffre. Miroir. Des flèches. Ben, je sais pas. Moi je dis on va aller se rallonger avant de. Oula, qu'est-ce que ça fait se plaisir. C'est pas grave. T'inquiète. Voilà. Mais pas le feu au lit, hein. Super cher encore. C'est pas grave. Hein, c'est pas grave les gens. Hein, c'est pas grave. Je vais vérifier quelque chose parce que ça m'inquiète quand même. Et il a toute sa life, Wolfgraf. Bon, bah écoute. 37, 94. Donc hop. Oh, une grosse armure. On aura ça. Les gouttes. Bon. Voyons un peu inventaire. Les flèches. Action. On va les envoyer à Wolfgraf. Ça aussi. Voilà. Ouais.
coffre, il est vide. Miroir. Bah, on va l'utiliser. Hein. Miroir. Bon, bah voilà. Une TP ici. Cache. Là, il y a de la bagarre. Wow. Il y a de la bagarre. La bagarre. Quoi, la cible est hors de vue. Tu te fous de ma gueule. Un pylône devant toi. Toi, tu te fiches de mon gueule. Toi, tu te fiches de mon gueule. Voilà, exactement. Toi, tu te fiches de mon gueule. Pour l'instant, on va faire ça. Ouh, toi, t'es loin, toi. Bah, ouais. Credo là pour claquer mon skinet. Je sais pas s'il va pas être dans la lave en fait. Non. On voit pas bien. Si, moi je vois très bien. Ah, il y a des bébêtes là-haut. Il y a plein de chiens enflammés derrière. Ouais. Toute bestiole ici. Bah apparemment, les bestioles elles nous ont pas vu encore. Ouais, ils veulent pas faire de la bagarre pour l'instant. Les bêtes. Dès que le squelette il va avancer. Allez, encore un coup. Voilà, nickel. Faites la chance. Ah bah lui aussi il veut invoquer un truc. Ah. Vas-y viens, je te fume. La cible est hors de vue. Tu te fous de mon gueule. Mais non, t'as un gros pylône devant toi. Mais non, mais... T'as la grosse colonne échouée devant toi. Putain. Comment ça se fait qu'il a récupéré de la life lui? Oh. Parce qu'il nous triche depuis tout à l'heure. Tiens mon gars. Pas assez de PA. On va se mettre derrière. Attention au chien. T'inquiète, panique pas. Voilà. Je panique pas, mais... Voilà. Bon, on va aller voir les chiens. Hein. Bah, les chiens, tu peux leur parler, je crois. Non, fight. Ah bah non. Fight avec non, un. Je peux pas leur parler, non. Avec le mage là-bas. Moi, je peux pas invoquer de squelette, j'en ai plus du coup. Ils sont invulnérables. Au feu. Ouais. On fire. Ah bah toi, t'es tombé. Ah non, c'est mon épéiste qui est encore vivant. Cool. Cool. Moi, les zombies, je l'envoie. Un pied là. Non, il est plus mi-vivant, ton épéiste. C'est dégueulasse. Ils ont pas l'air très beaux les chiens quand même. Bah laisse-les ne pas être doués, c'est très bien. Ah, moi je vais avoir un problème, c'est que je leur tabasse avec le feu. Ah oui. Donc, je vais pas leur faire beaucoup de dégâts. Ah. J'ai intérêt à balancer tous les boosts que j'ai, sinon je leur ferai jamais rien en dégâts. Là, c'est tout ce que tu dis de beau, Dragoon. Tu es silencieux d'un coup. Bah ouais, attaque le berger. Bah ouais, vaut mieux. Bon bah moi je vais sortir Wolfie de là. Hein. Ça peut être une idée.
On va le sortir de là et on va pas assez de PA. Putain. Invulnérable à la lenteur. Ok. Bon. Moi je vais leur balancer les chiens. Je pose de ça. Mais ils ont résisté à l'attaque. Ouais, génial. Ouais, bah, ils résistent à tout quoi. C'est même pas des chiens, c'est des béliers. Ouais, hey, ils sont même les tartines. Tu vas pas me dire que. Est-ce que. Ah bah non. Invulnérable. Ouh, ça sent pas bon là. Ah, parce qu'ils sont dans le feu peut-être. Non. Bah non, tu étais pas. Ah, pourquoi moi j'ai réussi à le taper hein. Ah là 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 là. Et si je mets ça comme dague. Vas-y, fume-le ce matin. Tu regardes le stream et t'as plus rien à dire. Si je fais ça. Non, invulnérable aussi. Mais what? Pourquoi? Comment péter la gueule moi, à des. J'ai réussi à les toucher, mais. Comment péter la gueule à des toutous qui sont de l'invulnérabilité comme ça? Ouais, on a. Bah là, ouais, là, ouais, des soucis, ouais, ouais. Wolfgraf, il va crever. Vas-y, pète la gueule au berger. Si ça se trouve, faut tuer le berger d'abord et ensuite voir après, quoi. Bah ouais, là... Là, gros, gros problème. Ouais, d'accord. Donc le berger, je l'ai manqué, les autres sont invulnérables. Eh, y'a rien qui va mal, hein, dans ce monde. Voilà, le berger touché. Tu l'as vu celle-là? Tire sur le berger, hein. Tu fais pas chier. Tu t'as crevé. Enfin, soigne-toi si tu peux, si t'as de quoi. Et non, après... j'ai rien. Parce que là, je comprends pas. J'ai réussi à contre-attaquer et je l'ai touché l'ours. Mon berger, là, il est mort. L'homme ours sport là. Ah bah c'est bon, ah, regarde. Il nous laisse tranquille. C'est cool. On va leur parler. Ça c'est plutôt t'as... cool. T'as un matelas là. Où ça? Parce qu'il a besoin de dormir le Wolfgraf là. Juste là. Eh ben merci. Merci connard quoi. Parce qu'en crevant il a foutu du poison mais empoisonné ce con. Oh, les sneak tranquille, bordel. Du coup, je suis obligé de retourner m'allonger à cause de ce gland. De ce pot de gland. Oh, quelle violence. Bon, attends. Tranquille, mèche. Yeah. Oh, allez, hop, une amende. Oh, non. Non, tu m'as arnaqué. C'est comme le ni oui ni non quoi. Allez hop, une amende. Claque une petite sauvegarde, mon pilote. Parce qu'on a un peu avancé là, on a failli se faire niquer par les chiens. Donc, attends. Que ça fasse attends. Pas comme la dernière fois et qu'on se retrouve pas avec. avec 2 heures de jeu dans le. Dans le cul ouais, j'ai pas dit. Moi je le dis. Moi je le dis directement. Direct ah c'est fui de flèche. Attends. Hop. Donc une sauvegarde à la demande d'un copain pilote. À moi. De na toi. Peu importe. Eh, je te mets un coup d'aile dans le dos, moi, tu vas voir. T'as de calme. Voilà. Attention. On fire.
Alors, on peut passer par la droite. Ou on peut aller. Ça m'a l'air plus sûr par là. Tout droit, toujours tout. Ah, en bas, il y a des monstres. En bas, il y a des monstres. Mais c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Venez, humain, marchez dans la lumière. Oh putain. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain. Pourquoi il court? Oh putain. Oh merde, il y en a un autre. Oh bordel. Et moi je suis totalement encerclé. Ouais, t'es entre les trois. Mais totalement. Allez, ouf. Là, ça va finir en orgie. Je vais me faire éclater. Allez, ouf. Celui qui est devant moi là, il est juste à hauteur pour que je mette ma lance dans ses couilles. Oh. Aïe. Ah non, c'est... Non, ça va, c'est... Il vise le skinhead. Il est trop bas, il a rien à touiller. Merde. Ah merde. Je vais mettre un coup de... Oh là. Et heureusement que je mets mes trucs de... Heureusement que je mets mes machins de poison quand même. Parce que sinon j'aurais fait un peu plus. Oh, y'en a un autre là caché derrière! Oh, ça va, ça va, ça va! Oh, y'en a un autre là-bas! Oh putain! Bah là, tu peux faire le tourbillon là. Tu fais le tourbillon là. Tu veux déjà sortir du fire. Ouais, tu sors du fireman et tu fais le tourbillon man. Et si je balance de l'huile, ça va péter non? Bah, tu peux balancer de l'huile, est-ce que ça va pas? Bah, parce que l'autre il est déjà sur le feu, apparemment ça y fait rien. Donc. Alors je vais faire le tourbillon. Tourne les côtés, tourne les cotons. Oh bah génial. On est dans la merde. Et je crois qu'on va mourir. Tout simplement. J'ai pas d'autres armes sur moi, je crois. Bah je crois qu'on va crever. Ils sont invulnérables. C'est bien. Si c'est possible. C'est... C'est pas comme les espèces de chevaliers là, ils sont tout violets, on peut pas les toucher parce qu'on n'a pas les armes qu'il faut. Je sais pas. Ah, ils sont tous invulnérables. Alors, c'est cool. Donc, ça veut dire qu'il faut en trouver un qui est pas invulnérable et lui casser la gueule. Ou alors c'est que t'as encore l'arme machin qui fait baisser ta vie là. Ouais, bien sûr que je l'ai encore. Essaye de l'équiper. Bon bah lui il est invulnérable. Et lui il est invulnérable. Ils le sont tous quoi. Bon. Bah disons qu'on avait la chance tout à l'heure qu'il y en avait un qu'on pouvait toucher. Bon attends. T'as changé l'arme ou pas? Attends, j'ai déjà essayé de taper avec moi. Hop. Non, invulnérable, même avec l'arme, invulnérable, écoute. Donc bah on n'est pas dans la merde. Moi je dis fuyons. Je sais pas comment on fait. Ah, comment on fait pour les buter? Fuis, défends chèrement de ta vie. Parce que je ne sais guère comment leur péter la gueule. On aurait dû aller en fait on pas. On aurait dû aller de l'autre côté. M'enfuis. Ah, oh. J'ai en vert. Putain, je me suis repris une tartine ou... Bah oui, tout à fait. Ah, je peux plus fuir, j'ai plus assez de... Ah, non. Ah, si, fuir. Hop là. Eh bah, putain, mon pilote, si tu savais où ça te ramène... Tu fuirais un peu moins. Compétence. Tu vois, je le sentais. Je sais pas pourquoi, mais je le sentais. Je le sentais qu'on allait se faire niquer. Oh putain. Oh, ils sont en train de m'encercler là. Oh putain. Oh, est-ce que vais-je résister? Ah la vache. Avant de faire de la fuite, on va bouffer. On va bouffer de la barbac, hein, et J'aurais dû rester avec toi, tu me dis fuis. Allez, je vais rester encore un peu.
Ouais, non, je crois que je vais crever. Oh putain. Ça va être problématique parce qu'il faut que je vienne te chercher. Ah ouais, non, mais c'est bien parti pour là. C'est bien parti pour. Ils sont tous en train de me péter ma gueule. Ouais, je suis mort. Ah ouais, je suis mort là. Je confirme. Je suis mort. Alors, comment ça se passe? Je suis mort. Et on est où là? Wolfgraf, il a déjà fui ou pas? Ouais, Wolfgraf, ouais. Bah, faut qu'on revienne te chercher. Ouais, c'est ça. Pour te ressusciter, faut qu'on revienne te chercher. C'est ça. Alors. Bah, faut qu'on repasse. Ouais. Par la balise du Val d'Argent. Voilà. Attends, je vais aller m'allonger un peu parce que si on retombe sur quelque chose. Bah, sur le trajet, il y a des matelas. Hein. Ils repopent pas les mobs donc. Mais ouais, non, là, si on peut pas tuer des monstres. Alors là. Ça fait comme dans l'espèce de cave, il y a des trucs que tu peux pas tuer. Alors, soit parce qu'on n'a pas les armes adéquates, soit parce que je sais pas. Mais c'est quand même bizarre parce que le premier chien du vide là, quand il est passé derrière moi, j'ai contre-attaqué, je lui ai fait des dégâts. Et après, impossible de lui refaire des dégâts. Donc ouais. Là, je comprends pas tout en fait. Là, il y a un matelas. Ici, hop, on va l'allonger. Moi aussi, j'ai bouffé. J'étais bien entre tout. Là. Hop. On est mal. Ah oui, on est mal, c'est sûr. Ah, c'est sûr. La 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 la. Ça a failli finir comme la semaine dernière, comme. Ça a failli faire d'humourisme, quoi. Ouais, mais on était mal, hein. Si on meurt tous les trois là, on retourne où? On reprend encore? Bah, la sauvegarde que j'ai faite. Automatique de fait. Mais si, mais j'ai sauvegardé avant. J'avais oui, parce que je te l'ai dit, mais si t'avais pas sauvegardé. Ben oui, mais je l'ai fait, je l'ai fait. Mais. Bon, comme la semaine dernière. Ça se pose pas, je l'ai fait. C'était par où qu'on était passé déjà? Il ne sait plus où. Oh, moi je ne sais plus, je suis perdu, je suis. Voilà. Non, c'est pas par là. C'était oui. Pas par là. Je sais plus. Non, mais je sais plus. J'ai un doute. Non, bah c'est. Non, c'était pas par là. Non. Ce n'était point par là. Putain, on en a pris plein la gueule. On a maïgé un peu. Là, il a maïgé cher. Hein. Grave. Le marteau. Bah, c'est par là. Voilà. De là à de là. De là à de là. Après de là à de là. Ouais, on avait passé là, sur le côté. Que tout droit, on va tomber sur les bestioles qu'on peut pas tuer. Non, c'est par là. Par ici. T'es passé par où? Là. Moi, j'ai peur du truc rouge maintenant. Il fait de la peur.
Voilà, on prend le miroir. Hop. Tu t'es attaqué par les chiens? Non, non, les chiens. Ah, là, non. Tu comprends... Et là, tu comprends plus rien. Non, pas les toutous, non. Bon, voilà. Voilà, bon, faut faire attention. Moi, j'ai pas de. Non, j'ai pas de. Wolfgraf, il a pas de parchemin, donc il y va pas. Moi, je vois pas ton cadavre. Donc, Il est vers les escaliers normalement. Il est vers les escaliers. Ouais, ça y est, je te vois. Tu le mets. TP moi vers nous. Bah après, on est con, hein. Alors, regarde le point jaune, il est de l'autre côté, hein. Bah ouais, mais bon, après, on pouvait pas savoir qu'on pourrait pas les tuer, quoi. Alors, ouais, c'est pas marqué dessus, donc. C'est vrai, c'est pas faux. Ah, par contre. Je trouve ça complètement con qu'il y ait des mobs que tu puisses pas taper, quoi. Ça, c'est. Ouais. Bah ouais, non, il faut sûrement une arme spécifique. Ça fait deux fois qu'on tombe sur des monstres. Sur bon, des faut que j'aille. Faut tabasser, faut que j'aille faire un. Coup, faut que j'aille faire du dormims. Du dormage. Voilà. Donc ouais, c'est. Ça fait vraiment partie des trucs qui sont en face. Très cool à jouer, quand même. En face. T'es où mon pilote? Yesui avec les chiens. Donc on va aller en face. On va aller voir. Ton âme, tant d'âmes ont dû être sacrifiées pour créer une pierre de sang. Bah, je suis mort. Ok, je suis tombé dans la lave. Comme moi tout à l'heure. Ouais, génial. Ah, bah, écoute, tu n'es pas une cible valide. Comment ça? Comment ça? Juste au Wolfgraf de là, parce que j'arrive pas à te cibler, en fait. Vas-y. Ah bah non, cible non valide. Je suis sur un autre truc ou quoi? T'as bien pris un parchemin de résurrection? Voilà. Il est encore salement buggé quand même comme jeu, hein, je trouve. Ouais, bon par contre... Ah bah voilà, attaquer. Attends, avant de l'attaquer... Attends. Je vais aller me remettre ma life. L'attaque pas tout de suite. On sait jamais. On sait jamais. C'est peut-être pour ça. Faut peut-être défoncer la pierre de sang. Et après on pourra peut-être casser les... Casser les gueules au bélier. Et puis au bélier chien là. Et pourquoi et toutes ces... Non, je les ai pas attaqués. J'ai dit après on pourra peut-être. Écoute bien mais ce que je dis. Tu es prêt? Écoute, maman, près de toi. Allez, on attaque. Oh putain. Moi, je lui fais le feu direct. D'arrêter le combat. Il semble vous garder. Bon, c'est bon, on va se finir toute seule avec le feu. Ouais. Ah, bon sang, il était temps que vous y alliez mettre une droite musclée à ces démons. Et à leur saleté de faille du vide, notre refuge dimensionnel est sauvé, noble traction suisse sauvée. Ok, et c'est à vous qu'on le doit, ok. Ce sera un très bon entraînement dans le cadre de votre lutte pour sauver la création des griffes du vide, vous ne trop croyez pas. Et pour tout dire, j'aborde ça avec beaucoup d'optimisme. Ok. Est-ce que ça veut dire que maintenant on peut péter la gueule à sa main à tous? Ou est-ce que ça veut dire que... Et on va essayer. Allez, on sauvegarde et on essaie de péter sa gueule à sa main à tout le monde et voilà.
On verra bien ce que ça donne. En tout cas, on a sauvé, apparemment, on a sauvé le machin. Ça fera plus de piou 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 des attends, rochers. Je crois qu'ils sont morts. Ah oui, ils sont morts. Ouais, ils sont morts, mon pélas, ils sont morts. Ils sont morts, TCP. Ah, ça c'est bon, ça. Vous avez pas des trucs sur eux? Non, apparemment, non. Apparemment, non. No. Alors, fouiller maintenant. On va fouiller, c'est exactement ce que j'allais te dire. Là, il y a un machin, là, on peut pas. Il y a rien à y faire. On va de quel côté? Par là? Bon, je sais pas. Ouais, on monte les escaliers. Attention au feu, là. Ouais. De bulle, hein. In the lave. In the lave, the mix. De lave partout. Les chiens sont morts aussi. Les béliers, ouais. Les béliers chiens. Ouais, ça ressemble plus à des chiens. Bah ouais, ouais, bah moi aussi, hein, c'est pour ça que je dis les béliers chiens, quoi. Moi je trouve que ça ressemble plus à des toutous. Après, on n'a pas. Moi je sais que voilà, ma vue elle est assez haute, donc c'est pour ça que bon, bah là il n'y a rien, il n'y a que de on fire. Donc demi-tour. Droite. Ce que j'aime bien, c'est au début du jeu, quand t'avais de la lave, comme ça tu perdais de la vie. Plus t'avances dans le jeu et plus tu marches sur la lave, tu meurs direct dans d'atroces souffrances. Point de vue après. Hein. Non, c'est au début, c'était juste des trucs de feu parce que les laves ont crevé tout de suite. C'était juste des petits trucs de feu au début. Là, c'est vraiment de la lave, donc c'est pour ça que tu crèves paf direct. Hop, sans sommation, mon gars. Ouais. T'as même pas le temps d'enlever ta botte ou... Ouais, non. Exactement, c'est ça. Chin-chin, allez hop. Eh, y avait, mon pilote, il y avait des monstres partout. Partout, il y a des cadavres partout. En fait, indirectement, on a pris le bon chemin du premier coup. J'ai l'impression. Ouais. On a fait le bon choix, pour une fois. Celui que je te disais tout à l'heure, il est là. Pour une fois, ouais. Bon, ça m'étonnerait qu'on retombe sur du monde. Ah, c'est celui-là, moi, que je voyais tout à l'heure. Donc on se balade hétéroclite. Ouais, parce que t'es en hiver éclate. Que l'hétéroclite, exactement. Normal. Dédicace. Eric et Ramsey, une pensée pour vous. Même si... Non, pas encore. Voyons, mais bon. Enfin, artistiquement parlant. Artistiquement parlant, ouais. Artistiquement parlant. Ils ont rejoint Coluche. Désolé, mais c'est plus un. Hein, désolé, mais voilà. Hein. Ils ont rejoint Coluche, Raymond Domenech. Ah non, il est pas mort. Mais... Ah, Raymond, il est encore. Eh, mais Raymond, il va dans TPMS des fois. Et il fait des trucs un peu pertinents. Ah non, il fait AMA, touche pas à mes artistes. Non, mais il fait des trucs quand même. Je trouve qu'il fait des interventions. C'est quoi la suite sur Hanouna TV? Enfin, D8 quoi. Je sais pas. Bah attends, ce soir, ils ont une annonce importante à faire, machin. À 19h, nana. Non, c'est pas. Mais non, mais c'est pas Cyril Hanouna. C'est, normalement, ce soir, Cyril Hanouna, il est pas là. Il est pas là ce soir, normalement. Normalement, parce qu'il a fait un. Non, c'est pas ça, c'est que. Mais que Dorothée. Mais non, c'est pas ça. Il y a de nouveau des coupures. Oh, c'est pas possible. It's not possible. C'est pas possible. Comment? Non, c'est... Comment? Là, normalement, il sera pas là pendant 2 semaines parce qu'il a fait un... Il a fait un pari avec Stéphane Plaza hier que si il perdait contre Stéphane Plaza au ping-pong, eh ben, il arrêtait TPMP... Pendant 2 semaines, bah là écoute moi sur le live il n'y a pas de coupure pour l'instant. Moi j'ai pas de coupure, écoute, en direct.
Là j'ai un écran noir par contre. Pourquoi? Ah non, c'est bon. Non, non, ouais, non, j'ai pas de. Non, non, c'est bon. Moi j'ai pas de. J'ai pas de coupure. Donc ouais, il a fait un. Il a fait un pari avec Stéphane Plaza. Qu'il a perdu d'ailleurs. Donc normalement, pendant 2 semaines, Cyril Hanouna ne sera pas sur TPMP. Après, est-ce que ça marche? D8 qui a une annonce. À faire c'est la même personne en fait, mais non c'est oh là là, c'est un peu sa maison quand même, mais c'est non, lui, non c'est pas sa chaîne, c'est voilà, c'est oui, c'est lui le taulier on va dire, mais c'est ouais, pas c'est, un petit peu, ouais. C'est pas lui le patron, c'est pas lui le patron de la chaîne. Ah, quoi. Merde. Donc c'est pas loin, mon ami. Mais ah ouais, il a. Mais je pense que c'est au sujet du pic d'audience qu'il y a eu hier. Justement, ils ont dépassé les 2 millions de personnes hier. Alors, toi qui es un téléspectateur assidu. Bah, moi, je regarde tous les jours, hein, sauf le vendredi, parce que voilà. Le vendredi, tu vois, toi qui dis que c'est tous les jours, nana. Non, le vendredi, c'est pas lui, c'est Julien Courbet. Et c'est. Moi, je trouve que c'est moins bien. Même si Julien Courbet, je respecte ce qu'il fait, mais il est moins dans le délire, il est moins dans tout ça, tu vois. En même temps, il a sauvé des arnaques pendant 10 ans. Donc. Ouais, mais bon, voilà quoi. Après, voilà. Mais oui, donc moi qui ai quelqu'un d'assidu, oui, vas-y. Nous avons stoppé l'attaque. À présent, nous pouvons continuer à enquêter sur les agissements de l'Andra et récupérer la pierre stellaire. Ça nous dit pas aussi qu'il faut aller, hein. Mais bon. Donc, ouais, donc pourquoi, pourquoi tous les jours depuis tout ce temps? Enfin, presque tous les jours. C'est-à-dire comment pourquoi ça? Pourquoi comment on devient Hanouna fan? Mais parce que moi, moi ça me fait rien. Moi j'aime bien parce que voilà, ça me fait rire. C'est 2 heures de. Et après, il n'y a pas que Hanouna, quoi, tu vois. Moi, je les aime bien un peu tous. Donc voilà, quoi. C'est. Tête à claque. Bah, écoute, chacun son point de vue. Moi voilà. Il y en a que j'apprécie moins que d'autres, mais voilà, c'est. Est-ce que tu pratiques la DeLorme-Odense? Est-ce que je pratique la DeLorme-Odense? Non, j'aime bien, il me fait délirer Mathieu Delormeau, mais non, je ne pratique pas la DeLorme-Odense, non. Est-ce non, qu'on non, peut non. Du coup, dire que après la télé-réalité, il y a quand même une vie. Bah, je trouve que voilà, le fait qu'il ait refusé de retourner sur Énergie 12 et tout, c'est bien, hein. Moi je trouve que c'est bien, au contraire, hein. Faut qu'il continue comme ça, hein. faut pas qu'il retourne dans. Mais je sais pas comment on fait. Là on peut utiliser. Attends, prépare-toi. On peut utiliser la perche. L'Opal. Le tractoupel. Va chercher le tractoupel. Oh putain, il y a un coffre caché sous un tout petit tas de sable. Ouais. Donc je pratique pas la DeLorme-Odense, mais voilà. Moi tous les soirs, voilà. Mais j'aimerais bien. Non, il n'y a pas de j'aimerais bien. Non. Je me vois pas faire des. Mais tu sais que, le mec, à l'époque, il aurait pu être dans un boys band. Parce qu'ils ont fait une parodie avec Camille Combal. Ils ont fait une parodie là de Alliage un peu, tu vois. Mais ils s'y croyaient trop. De quoi le faillot? Mais qu'est-ce qu'il parle le faillot? Camille Combal, c'est pas le faillot. Bah, ils sont tous un peu. Je te dirais que. Mais non, c'est pas spécialement faillot, quoi. Enfin, moi je trouve pas, quoi. Traverser cette putain. Ah, là c'est là où on n'a pas encore été. Ok. Mais et je sais pas pourquoi il y a toujours un point jaune qui s'affiche dans la cathédrale, je comprends pas. Enfin, non, moi le bois de Lucula, je l'ai plus. Et là, bah ouais, faut aller au sous-sol, faut retourner voir au sous-sol. Donc ouais, donc comment ça se fait, c'est voilà. Moi j'ai mon rendez-vous quotidien, hein, tous les soirs, hop, dès 7h-10, je vais en bas. Je me pose devant la téloche et c'est TPMP du lundi au jeudi.
Le vendredi, non, je ne regarde pas. C'est Nagui, quoi. Ah, petit plateau télé, c'est Nagui. C'est Nagui, voilà. Voilà, c'est... Je vais faire de vous des Nagui. Des Nagui. Un petit... Bon, un petit... Qu'est-ce qu'on a à foutre ici, au bout d'un moment? Un petit clin d'œil au Palmacho. Hein. Ouais, et notamment au pauvre qui va jouer dans le film français tout pourri là. Mais c'est pas qu'il va, c'est qu'il joue dedans. Grégoire, il joue dedans. Ouais, il est sorti, ouais, ouais. Salut maman, comment ça va? Salut. Je ne suis que de passage. Bien, il n'y a pas de souci, rien qu'un petit passage, ça fait déjà gentil. Voilà, ça fait déjà plaisir. Même si c'est juste de passage. Ah non, le film il sort, bah il est sorti je crois, hein. Je crois qu'il est sorti là mercredi je crois. Bah ouais, hier. Il me semble qu'il est sorti hier, hein, le film avec Grégoire. Donc je t'adore, hein. Grégorio, je te kiffe, mais là ça va pas être possible. Désolé, mais ça va pas être possible. Voilà. Déjà, les films français, c'est pas mon délire, mais alors. Ben, ça va, moi ça va très bien, écoute. Hein. Moi ça va. Ben, moi non plus, tu le sais, hein, moi les films français, hein, j'aime pas ça, c'est pas mon truc. Moi ça va très bien, maman, écoute, hein, ça va très bien. On avance sur Divinity, tranquille. On tourne un peu en enfin, route, et vous. On va retourner dans l'hiver en fait. Donc, il y a maman qui demande comment tu vas. Voilà. Voilà. Ben, je vais bien. C'est Juvamine. C'est Juvamine. C'est ça, exactement. Bon, donc, ouais, le sous-sol. Qu'est-ce, pourquoi il y a toujours le truc. Voilà. Bref, le journal. Et si on retournait faire un tour, voir la bébête dans le truc des Traxsources, enfin pas dans le truc des Traxsources. Pour lui casser la gueule. Hein. Non. Comment ça s'appelle notre tanière, notre antre à nous, notre... Bon, bah, si on allait voir. De toute façon, quand tu t'y téléportes, je pense que j'y suis également. Non, les mines. Oui. Donc si on allait à la fin des temps. Normalement, on doit plus se faire attaquer par le. Non, par normalement, il n'y a plus les boules de feu. Ah non, je l'ai pas fini, maman. Non, je l'ai pas fini. Comme je te disais, hein, sur ton live, j'alterne entre FF et Divinity. Donc normalement, c'est un peu plus de Divinity avec GG. Et le FF, bah, quand il est pas là, notamment bah dimanche matin, il y aura, enfin dimanche matin ou même la journée, hein, il y aura du FF7. Hein. Là sur FF7, j'ai été chercher Sid, j'ai fait le village de la fusée, j'ai été chercher la limite 4 de Aeris, j'ai été faire la deuxième étape pour avoir la Materia Phoenix, j'ai été faire la tour de Wutai pour avoir la Materia Leviathan. Et là, faut que j'aille au temple des anciens, mais avant, j'essaie de chercher un peu à droite à gauche pour les limites, pour les armes, machin et tout. C'est cool si vous allez bien, c'est le principal. Bah oui, toujours, hein. Mais oui, hein. Bah toi aussi, c'est cool si tu vas bien. Ouais, pareil. Mon live est en mode recherche, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre parce que moi je. Attends, je regarde. L'annonce, voilà, les pubs. Bah, Dragoon, il va nous dire ça. Hein. Dragoon, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que c'est pas bon? Dragoon, il est sur le chat, mais il fait le mort, tu sais. Non, en fait, il s'est endormi. Oui, il s'est endormi. Voilà. Oui, il s'est endormi. Il a chu sur le côté. Voilà. Tu sais, c'est ce vulgaire truc quand tu regardes la télé qu'au bout d'un moment, bah, tu chues. Littéralement. Non, moi sur la source pour ma part c'est bon. J'ai pas de bug. J'ai pas de bug. Je suis obligé de regarder avec le téléphone. Mais franchement. Donc toi t'as plus de coupure. Donc voilà. Donc toi, ton côté Dragoon, tu confirmes que c'est bon.
Donc, bah nickel, écoute. Donc ouais, désolé, maman, ça doit être ta connexion, hein, mais... Après, ça aurait pu être la mienne, hein, parce que moi, c'est pareil, hein, j'ai pas une connexion de fou dingue. La théorie est la suivante. Vous n'êtes pas vous. Salut, sa papaya. Comment ça va? Oh yeah. Sa papaya. J'ai pas voulu y faire la dernière fois, tu vois. Ça vous dirait un ice cream? Et ben moi, j'ai les pieds dans le plat. Ouais, grave. Rien à foutre. j'ai pas voulu. Comment ça va, sa papaya? La théorie. Déglingo, quoi. Ah, toi t'en as. Ah merde, maman, putain, fais chier. J'aime pas ça, j'aime pas quand ça bug pour mes viewers. La théorie est la suivante, vous n'êtes pas vous. Oh, on n'est pas nous. Oh. Ou plutôt, vous êtes vous, mais vous n'êtes pas tout vous. Oh putain. Ouais, d'accord. C'est il va m'emmêler, lui. Dedans une heure. C'est nous, quoi. C'est nous. Et cela. Il n'y a pas de souci, maman. Écoute, franchement, vraiment, vraiment dommage. Mais il n'y a pas de souci, hein, ça se comprend. Hein, tu peux pas rester. Hein, ça bug et tout, c'est normal. Donc, écoute, ben, je te fais plein de gros bisous. Hein, bonne journée à toi. Bonne journée. Et puis, écoute, ben, je verrai ce, dans la soirée comment si tu stream dans l'après-midi. Vers 5h, 5-6h, si tu stream, et ben je viendrai te voir en live. Hein. Ah, si j'ai ce pseudo, c'est pour la réplique. Ah, bah oui, sa papaya grave. Oh yeah, sa papaya. Oh yes. Là, ce n'est pas possible. C'est pas mais il y a pas, il y a pas, il y a pas. Moment de manger des ice cream. Moi aussi, il y a pas de, il y a pas, moi il y a pas de, voilà, des ice cream, j'en mange même l'hiver, tu vois. Là, il y a pas de souci, maman. Écoute, mais moi je drague pas avec des glaces, moi. J'ai, voilà, je drague pas tout court. Moi, j'attends qu'on me drague. C'est pas pareil. Là, ce n'est pas possible. Mais il y a pas de souci, maman. Écoute, il n'y a pas de souci. Je te fais plein de bisous. Hein, et puis peut-être à ce soir, hein, dans la soirée, hein, je passerai te voir, hein, que ce soit toi ou ton homme, que vous, si vous streamez, je passerai faire un tour. Des zoubis, à une prochaine. Ok, allez, ciao. Mais je vois que vous me regardez comme une vache coincée, zoubi. Mais je vois que vous me regardez comme une vache coincée dans une leçon d'astronomie, alors je vais recommencer. Ah ouais, ouais, sa papaya, est-ce qu'il est bien le jeu? Ouais, bah moi, nous, depuis qu'on l'a, voilà, on kiffe, quoi, on meurt, bon, bah voilà, mais on adore. Ah quoi, mais genre, il y a le pilote, il a... Ne le dis pas, bah si, je le dis, mais c'est bon, si, c'est pas grave, mais écoute, les gens, qui... les gens, s'ils viennent, ou s'ils vont voir les replays sur YouTube, ils vont le voir. Oh là, il est mort, là, il est mort, là, il est mort, tu vois. Ah bah surtout au début. Mais hein. Ouais, non, il est excellent, c'est... Boucle, hein. Ouais, au début, ouais. C'est un RPG à l'ancienne, hein, où t'es pas pris par la main, tu dois te démerder tout très seul. Ancienne, tu... Ouais. Ah oui, mais c'est vraiment les RPG à l'ancienne, c'est pas... C'est du RPG tactique. Donc voilà, c'est du RPG tactique à l'ancienne où tu dois te démerder, tu n'as pas de flèche pour t'indiquer à quel endroit tu dois aller. Tu dois parler à quasiment... Ben, c'est même pas quasiment, tu dois parler à tout le monde, tu dois suivre tous les dialogues. À tout le monde. Nous, je sais que nous, on y va un peu à l'aveugle. Hein. Nous, depuis le début. Nous, on fait un peu de la merde. on y va là. Quand il y a des monstres sur lesquels on n'a pas trop le droit de taper, on y va quand même. On y va à l'aveugle. On va un peu, on se balade à droite, à gauche, au milieu, au nord, au sud, voilà. Et si ça passe, je pense pas qu'on y aille à l'aveugle. Je pense qu'un aveugle, il est plus prudent que nous encore. Ouais, c'est pas faux, parce que l'aveugle, il a sa canne et tout. Donc j'ai. Même, je sens qu'il a plus de prudence, tu vois. Donc dans le jeu, ouais, tu. Ben là, on a que 3 persos parce que j'ai pris une compétence qui nous en enlève un. Mais tu peux en avoir 4. Quatre. Donc. Je suis pas le seul à me poser la question. Tu peux en avoir 4, hein. C'est parce que moi j'ai pris une compétence pour enlever un compagnon. Donc déjà pour de base. Que nous fasse chier. Donc déjà de base, tu commences, t'as 2 persos. Donc bon ben.
moi je contrôle le mec et GG contrôle la femme que tu crées au départ, au départ du jeu. Et lui, Dame Béatrice la Poufias. Donc que tu crées au départ, le jeu peut se jouer solo aussi hein. Et de là tu alternes entre les deux personnages et après au fur et à mesure de ton aventure, tu rencontres des compagnons que tu recrutes dans ton équipe. Donc là nous donc on a Wolfgraf qui est un espèce de voleur qu'on a rencontré dans une caverne. Mais on a d'autres compagnons qui sont donc là où on est hein, qui sont dans une pièce qu'on peut aller chercher. Là on en a 3 mais on peut en avoir 4 maximum. Enfin, après le maximum. Ouais si c'est ça, c'est maximum. 4 maximum, tu peux avoir 4 personnages maximum avec toi. Donc comme j'ai dit, moi j'ai pris une compétence à enlever un perso. Donc voilà. Mais là moi j'en contrôle 2 et GG qui est avec moi il contrôle la femme hein. Je pense qu'il y a 2 âmes distinctes avec en chacun de vos êtres, les unes appartenant aux êtres humains mortels que vous êtes présentement et les autres à 2 personnes qui commencent à nous être familières. Vous vous souvenez du fragment de la tapisserie que vos efforts ont permis de restaurer, n'est-ce pas? Celui qui concernait les 2 grands généraux. Leur bataille contre le vide, la première fois qu'il s'en est pris à Rivelon. La map est grande. Il y a plusieurs maps. C'est pas un monde ouvert vraiment à la The Witcher. C'est que t'as plusieurs endroits en fin de compte dans le jeu. Tu as plusieurs endroits, mais les endroits, pour l'instant, on en a découvert 3, je crois. C'est ça, hein. 3 endroits. Mais les endroits ils sont avec le truc de glace, ouais 4 avec la voilà, mais les endroits ils sont très vastes, ils sont très vastes, très grandes. Il y a du contenu hein. Le jeu est énorme quand même. Le jeu est énorme franchement, que ce soit en termes de contenu, donc les quêtes annexes, tout ça. Franchement ce jeu en plus je pense que maintenant il a baissé un peu de prix, donc vous foncez. Moi je vous dis, si vous aimez les RPG un peu comme ça à l'ancienne, tactique au tour par tour, vous avez pas peur de vous faire casser la gueule si vous avez va arriver souvent. Ouais non, après arriver à un moment après arriver à un moment, une fois que t'es bien, t'es dans le truc, tu te fais moins péter la gueule quoi. Regarde, nous on se fait beaucoup moins péter la gueule qu'au début. Faut dire ce qui est. On vient de frôler la catastrophe quand même. Oh mais non, mais bon, ça arrive. Hein. Ah bon, d'accord, mais non. Donc t'as pas tout entendu. Ah mais c'est pas possible. Donc achète. Donc je disais que là, il n'y a pas de map monde vraiment. C'est pas vraiment un monde ouvert à la The Witcher. T'as plusieurs endroits, t'as plusieurs plusieurs cartes entre guillemets, mais vraiment très grandes quoi. T'as plusieurs endroits, vraiment il y a beaucoup de contenu, c'est ce que je disais. Il y a beaucoup énormément de contenu. Ce jeu est vraiment t'en as pour ton argent, voilà, tout simplement t'en as pour ton fric si t'es pour acheter ces jeux là. T'en as pour ton fric, il vaut le coup. Je le conseille à toutes les personnes qui sont vraiment fans entre guillemets de tout ce qui est RPG et surtout RPG à l'ancienne. Donc voilà pour ce que je peux te dire là-dessus. Il est vraiment. Il est excellent. Je regrette pas. Hein, je regrette pas de l'avoir acheté. D'ailleurs, dans le même style à peu près, sauf que là, ce sera en post-apocalyptique. Dans un univers post-apocalyptique, il y a Wasteland 2. Wasteland 2, qui, moi, pour ma part, ce sera un achat. C'est pareil. Ce sera un de mes achats quand je pourrai. Alors pareil, hein, t'as des phases de dialogue entre les personnages. Une deuxième âme, cela pourrait-il être possible?
Je suis qui je suis et personne d'autre. Je ne partage mon corps avec personne d'autre. Pourquoi inutile de me convaincre? Je sais que mon essence contient quelque chose d'infiniment extraordinaire. Ouais, je vais dire ça. Donc j'espère qu'il n'y a plus trop de bugs. Ça m'énerve, ça, les bugs comme ça. C'est relou. Je sais pas comment ça se fait. Je sais que des fois ça vient de Twitch, hein, mais bon. Prends ton envol. Donc spirituel. Ouais. Donc on peut parler à la gonzesse. Donc je vais te montrer les compagnons qu'on a eu hein, jusqu'alors. Je vais vous montrer les compagnons qu'on a eu jusqu'alors. Hein. Donc voilà. Donc moi je vais poser un cul. Hein. Ah, c'est quoi le sac à dos? Bah, y a rien dedans. Sac à dos. Bah écoute. Donc là, voilà. Il y a Madora. Il y a un mec qui est bugué. Ouais, un mec qui est bugué, c'est le mage. Si, il est bugué, on voit plus que les fringues. On voit plus rien. Le mec, on peut pas y parler. Alors, on voudrait récupérer le mage, et ben on peut pas. Voilà, tout simplement, on ne pourrait point. Et donc, il y a John Smith. Wolfgraf a repéré quelque chose, on s'en fout. Donc voilà. D'ici à la fin des temps. On s'en fout, on a déjà lu. Dommage, c'est pas un MMO avec du bon PVP. Niveau MMO, moi c'est pas. Moi, comme j'ai déjà dit, hein, c'est pas mon truc. Voilà, j'ai mon pilote, il joue à FF14. Donc, lui, à la rigueur. Après, je dirais que la dernière fois, le Elder Scrolls, à force de voir les gens jouer, ça me donne quand même envie. Mais je suis pas encore là à passer le cap, on va dire. Voilà. Moi, je vous conseille à tous FF14. Il est fan de FF14, donc lui, il pourra que vous conseiller FF14. Pour l'instant, j'ai mis un peu en pause parce que j'ai fait le tour de ce que j'avais à faire. Il m'a fallu quand même plus d'un an et demi pour faire le tour de ce que j'avais à faire. Ça, on a déjà dit. Mais après, c'est un super MMO, franchement. Il est super beau. C'est un des plus joués l'année dernière, je crois. Donc, profitez. Menacer toute la création, machin, nanana, ouais. Si vous avez l'occasion d'y jouer, faites-vous plaisir. Moi, j'aime trop les MMO genre WoW et tout. Alors, World of Warcraft, j'ai pas aimé du tout, personnellement. C'est beaucoup plus tactique et stratégique qu'un WoW. Il est beaucoup plus difficile également. Moi, bon, rue, qu'est-ce qu'il y a, rue? On s'en fout, on s'en bat les couilles de ce que tu dis. Une fois que t'as bien maîtrisé, une fois que le jeu est bien maîtrisé, voilà. Moi, je recommande en tout cas. S'il y a un MMO à faire en ce moment, pour moi, c'est certain. Après, j'ai pas essayé le Skyrim. Donc je sais pas si moi, de ce que j'en vois, le Skyrim, il me fait plus envie encore. Nous avons réussi à stopper machin, nanana. À présent, nous pouvons continuer à enquêter sur les agissements de Leandra. Donc, c'est à la neige. Ouais, il faut qu'on retourne à la neige, mais je ne sais plus. T'as une balise à la neige, normalement. Ouais, normalement.
Non, non, on en avait trouvé une avant d'arrêter. Ouais, mais c'était quoi le nom? C'est ça le truc. Hiver, je sais pas quoi, non? Ah ouais, Iberheim. Iberheim Grotte. Voilà. Bon, bah, on y va. Ouais, moi je suis pas trop un. Donc, moi je suis pas trop un joueur MMO à la base. Donc, j'ai mon copain. Elder Scroll est bien aussi, mais bon, là j'ai pas. Moi, j'ai moi, pas je... Bah, moi je sais que voilà. Si vraiment je viendrais à me lancer dans un MMO, mais voilà, vraiment, c'est juste, ce serait juste pour jouer avec les potes, quoi. Vas-y, vas-y. On avait été plus loin que ça. Ce serait juste pour jouer avec les potes. Bah ce serait Elder Scrolls, hein, parce que Elder Scrolls, tu l'achètes, t'as pas besoin de repayer un abonnement, quoi. T'as juste ton PlayStation Plus à payer, c'est tout, quoi. Mais t'es plus loin que ça. Oui, mais écoute, moi voilà, après voilà, j'ai ça. J'ai forêt gelée, ça doit être la forêt gelée là. Ouais, c'est ça, c'est là. Vas-y. Voilà, c'est la forêt gelée. D'accord. OK. Ben, donc ouais, si je viendrais ce serait Elder Scrolls, mais pour l'instant je verrai par la suite forêt gelée. Quand je serai pour racheter des... Ah oui, ça me parle plus déjà. Quand je serai pour racheter un jeu ou deux, je ferai un sondage sur le Facebook de la chaîne et puis je demanderai quel jeu intéresserait les gens. Parce que là, j'ai 2-3 idées, mais après, voilà... S'il y a un jeu que j'aimerais bien m'acheter et que les gens aimeraient le voir, je privilégierais le jeu que les gens veulent voir, quoi. Ça, c'est sûr. Mais il faut que ce soit un jeu que je veux aussi, moi. Bien sûr, bien évidemment. Ce sera pas... On s'en fout, achète des jeux qu'on veut. Non, ce sera pas du Black Ops. Ah, il y a des gens là. Ouais, attends. Ah, oh là. Vas-y, je suis là. Bon, je t'attends. Non, moi je suis bon. Moi, il y a pas de souci. J'ai pas de souci sur en source. Je suis là. Tu peux y aller. Ouais, bah... Donc après ouais, je ferai une sorte de petit sondage. Ça, comme je fais souvent de toute façon, quand je suis pour changer de jeu, voilà, je pose la question, voilà, entre tel jeu, lequel voudriez-vous voir sur le live? Perdu, hein. Tu te doutes bien. Ouais, pas de souci. On va se battre. Putain. Voilà, à mon tour. Au pire, tu leur balances de l'huile et de fire. Ouais, hein, c'est pas bête ça. Bah oui, ils sont tous regroupés là, le squelette on s'en fout quoi, à la rigueur. Bah tu vois, t'as même pas besoin de balancer le fire. De feu, en fait. Ah ouais. Parce qu'il y avait un petit bûcher au milieu. Ouais. Je fais ça un peu à l'ancienne quoi. Mais grave. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est bien. Après ouais, pour le Elder Scrolls, je verrai. Si admettons je me concerterai avec GG, si GG me dit ouais pourquoi pas machin, faut voir et tout, bon bah peut-être que je me laisserai tenter. Mais si il me dit ouais non machin, bon bah je vais pas faire de mauvaise augure, mais ah bah après voilà quoi. En fait j'ai avec FF14 j'ai redécouvert pourquoi j'avais arrêté les MMO. La mentalité pourrie des gens. Ouais, mais non, mais là on jouerait que nous, tu vois. Donc il y aurait moi, toi. Donc il y a Skaos qui a le jeu, il y a Yellow, il y a Shinzo, tu vois, on serait déjà 5, tu vois. Shinzo et il y a aussi Cédric.
Donc après, voilà, après... Je suis vraiment dégoûté de voir la mentalité des gens. Quoi. Ouais, ouais, bah c'est sûr. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Quand et tu là, vois que les mecs font payer pour passer des trucs, quoi, mais c'est hallucinant, quoi. Là, donc. C'est un jeu, quoi. Putain. T'es là pour jouer. Si tu veux aider les gens, tu les aides. Si tu veux pas, tu les aides pas. C'est clair. C'est, en général, c'est des instances soit à 4, soit à 8. C'est possible que t'aies un peu plus pour certaines, mais principalement, ce sera à 4 et à 8. Ce qui se passe assez régulièrement, c'est que t'as des mecs qui te vendent les donjons. Donc toi, tu restes à l'extérieur ou à l'entrée. Eux, ils font tout le truc. Et à la fin, suivant comment t'as payé, bah, tu emmènes soit tout ce qu'il y avait à ramasser dans le donjon ou pas. Et voilà, et t'as payé. Ouais, mais là, là, je t'ai dit, là, il y aurait pas de problème. Là. Mais bon, après, on n'en est pas là, de toute façon. Hein. On dit ça. Voilà, mais on dit quand même, exactement. On n'en est pas là, on va déjà finir Divinity. Tiens, toi. Oh, enculé. Je suis dégoûté. On m'a bloqué la pédale, tiens, bouffe. Le maître des loups. Maître des loutres. J'ai déglingué le maître des loutres. Tu me siffles, toi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais tu fais une poule. Une poule styrane. Une poule d'Alex. Qui picote bah, des pins d'air. Il reste tout en haut, mais bon, il y a un peu le feu. Mais... Il y a le fire. Et puis il y a la buée surtout. Parce que du coup, on voit que dalle. Allez, on y va, on s'aventure comme des fous. Regarde, il est bloqué. C'est ça, il hésite, tu vois, il se dit, moi je vais par là, je vais pas par là. Moi je peux rien faire. C'est un peu risqué, je sais pas trop. Non, c'est bon, il n'y a plus. Voilà, très bien les skinettes. Nickel. Donc voilà, voilà. Ah non, je sais pas. Non, j'ai tiré dans rien du tout. T'as tiré dans le flocon de neige. Ouais, oh. Ouais. Pas grave, regarde, hop, on y va. Fabrizio, hey, c'est Fabrizio Ravanelli, mon pilote. Bah, je peux pas le tuer, moi, non, c'est pas possible. Mais si, il faut le tuer. C'est une légende. Mais non, je peux pas. Ouais, c'est une légende. C'est une légende de la simulation, surtout, hein. Bah ouais, surtout, mais surtout au meilleur moment et au meilleur endroit possible. C'est voilà, il l'a fait. Quand il fallait. La plus belle qui existe au monde, je crois. Plus belle simulation au Parc des Princes devant tout le monde. Et là. Et là, tu restes à vie. Tu vois, c'est pas comme l'autre de Dugarry. Je vous jure. Lui et ses potes là, Grégoire Margoton et compagnie, là, tout Canal Plus, là, les copines Paris Saint-Germain là. Donc, Voilà, hop. Les gros hashtag copines là. Voilà. Gros hashtag copines. Ah ouais, non, Canal Plus. Voilà. Gros hashtag copines. C'est un truc de dingue. Hein. T'as pas le droit de dire du mal. Tu faut replacer tous tes coups qu'il faut. Faut replacer tous les mecs qui sont passés par chez toi en tant que consultant. Faut les replacer dans les clubs. Non, c'est une industrie au bout d'un moment. Est-ce que c'est bon pour vous les gens? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que... D'accord. C'est vachement utile de se réchauffer au feu de camp. Parce que moi, en source, il n'y a pas de soucis, quoi. Il n'y a pas de soucis.
pas de soucis. Hein. Non, non, en source. Il y a des soucis. En source, il n'y a pas de problème. On peut pas passer les. Ah, si, on peut. Attends, j'ai eu. Attends, je vais enlever. Ah putain, non identifié. Ouais, je vais enlever la. 31. Faudra que j'aille l'identifier. J'avais une hache du tyran, mais elle est moins forte que mon truc. Donc on va se balader, hétéroclite. On se balade, hétéroclite. Oh là. Faut qu'on va tarder à tomber sur quelque chose. Il y a des pierres encore. On peut pas les récolter ni rien en faire, ça c'est fini. Ah. Putain, j'ai pas eu le temps de. Alors, on est tombé dans un piège là. Ouais, j'ai pas eu le temps de vider le coffre alors qu'il y a une dague. T'inquiète, ça va le faire. Hein. Le chaman des. Eh, hey, après la reine des neiges, il y a le chaman des neiges. Libéré. Je vais faire bouffer ses couilles. Délivré. Non. Quoi? Non, quoi? On a même plus le droit, de rien, on a plus le droit, c'est là, on n'a pas le droit. Oh, mais si, on a le droit, voyons. Mais non, pas la reine des boules. Mais si. La reine de je mange de la neige. Eh gros laf, t'as de calme. Ouais. Ah là tu fais un tourbillon là mon pilote là. De toute façon j'ai toujours su que t'étais fan d'Aliège. Ah bah ouais mon gars, qu'est-ce qu'il y a? Mais non, ils bougent tous, regarde. Ils sont tous en train de s'enfuir. Mais si, ils sont autour de toi, regarde, il y en a 5 là, direct là. Enfin 4. Il y en a 4 là. Peut-être le cinquième, tu peux peut-être le toucher. Attends, je vais tester ça. Oh. Ensuite on va mettre de la force. Ensuite on fait le tourbillon. Alors, tu vois Organ, c'est 5 j'avais dit. Tourbillon magique. Qui c'est qui avait raison? C'est moi. Et on dit merci qui? Merci ça oui. Jackie et Michel. Non c'est pas ça. C'est pas merci Jackie et Michel. Bon, bah écoute. Moi j'avais merci Sabrine. Ouais. Ça va être long d'attendre encore une semaine avant Deadpool, quoi. Non, c'est pas une semaine Deadpool. C'est qu'au mois de février Deadpool. Ah, c'est qu'au mois de février mon pilote Deadpool, hein. Putain, on est que le 14 janvier. Bah oui, hein. C'est trop long. Il y en a marre de films de merde, c'est trop long. Ah, hier j'ai regardé. Donc j'ai regardé Joker avec Jason Statham. Je l'ai pas vu encore. Il est bien. Jason Statham, voilà. Il y en a un derrière. Et franchement, il est bien. Moi j'ai kiffé. Et donc après j'ai regardé le Terminator Genesis hein, qui franchement voilà comme j'ai dit hein, c'est un bon film, c'est un bon film mais non. C'est un bon film mais niveau Terminator c'est un peu de la merde quoi, niveau de l'histoire l'autre qui te dit est-ce qu'au bout d'un moment ils vont envoyer un mini Terminator dans l'ovule pour tuer John Connor ou pas? Parce que au bout d'un moment. Ah mais là c'est encore pire là, c'est qu'ils envoient un Terminator pour tuer. Ils avaient envoyé un Terminator pour tuer Sarah Connor quand elle avait 9 ans.
Alors, ils ça, donc... ça sent un peu le réchauffé, non? Donc, ah, mais de toute façon, c'est simple. Hein. Moi, non, au début, le début du film, quand j'ai commencé à le regarder, j'ai dit, ouais, c'est quoi? C'est un reboot du 1? C'est... Voilà, je me suis demandé. Parce qu'ils te font un mélange, il y a du 1, donc il y a les T-1000 comme dans le 2. Tu te dis, merde. Ça devient un peu... Et ouais, bon, bah voilà, encore une licence que je vais arrêter. Et là, parce que bientôt, le cinéma, ça me coûtera plus trop cher. Hein. Et donc voilà, ouais, tu apprends qu'il y a un Terminator qui a été envoyé pour tuer Sarah quand elle avait 9 ans. Et donc tu sais pas qui c'est qui a envoyé le T-800 donc de Arnold hein. Quand Sarah avait 9 ans pour sauver Sarah et tout, tu sais pas, tu sais que voilà. Mais tu sais pas qui. Moi je me suis dit jusqu'au bout, tu vois, je me suis dit jusqu'au bout, bon bah ils vont le dire quoi, ils vont dire ouais voilà c'est telle personne qui a envoyé. Eh ben non. Du tout. Donc bon bah de là. De là quoi. Bah oui, au bout d'un moment. C'est con parce que donc John Connor devient un Terminator. Le Terminator en lui-même, il est plutôt pas mal, hein, tu vois. C'est avec des nanorobots, machin, tatitata, c'est pas mal. Mais voilà quoi. Non, c'est ça. Oui, mais non. Voilà, c'est exactement ça. Non, mais même tout court, non, en fait. Putain, avec le Renaissance, on avait enfin ce qui se passait un peu dans le futur. Je crois que c'est le Renaissance, hein. Ouais. Christian Bale. Et bah justement, je me suis demandé pourquoi. J'aime bien Christian Bale. Pourquoi ? J'aime bien, mais je me suis... faisait un super John Connor. Voilà. Pourquoi ils l'ont changé ? Enfin, la bataille dans le futur. Pourquoi ils ont changé le John Connor ? Ils ont pris un acteur moche qui... Pourquoi ? Ouais, c'est de la merde, ouais. Et je comprends pas les gens qui disent... Il va quand même falloir se mettre un peu dans la tête que Terminator avec Schwarzenegger, c'est terminé. Il est vieux. Ah, il est vieux. Il est pas vieux. Il est vieux, mais il est pas obsolète. Il fait que ça de le dire dans... Non, moi je parle de l'acteur. Mais il va falloir au bout d'un moment, c'est comme Stallone. Enfin, je sais que mon pilote, il adore Stallone, mais c'est bientôt fini. J'adore Stallone, mais comme je t'ai dit... quand tu m'as dit ouais, quand tu m'as parlé de Creed, j'aime bien les gens. J'ai même pas vu moi. Les gens qui disent ouais machin Rocky. Non, mot pour mot Creed c'est pas un Rocky hein. Rocky c'est Rocky. Creed c'est Creed et non, moi c'est juste pas possible quoi. C'est juste pas possible. Non. Désolé. Non. Tu dis pas c'est Rocky machin. Non. Pour moi, Stallone, moi ça aurait été Rocky s'il aurait entraîné son propre fils, tu vois, ça serait resté chez les Balboa, machin, tati tata. Ça, moi j'aurais voulu, tu vois, moi je voulais ça. Là, il entraîne le fils d'Apollo alors qu'on sait même pas de où il vient, de quoi, de qu'est-ce, de comment. Non, vas-y, dégage. Même pas, je le regarderai, tu vois. On va parler de ce mec-là, hein. Mais voilà. Mais Apollo de son vivant, on l'a pas vu avec son fils ou quoi que ce soit, tu vois. Et là, il te ponde. Non, c'est juste. Mais tu sais que pour en revenir à Terminator Genesis, le réalisateur lui-même, il a dit qu'il savait pas où c'est qu'il voulait aller, tu vois. C'est fou quand même. Comme quoi que ça n'a ni queue ni tête, ça n'a pas de sens, machin et tout. C'est pas surprenant parce que du coup, au final... Le mec, il l'a dit, hein. Tu sais que t'as fait un film pour faire un film, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça, c'est exactement donc, ça. Mais... Aller voir des films juste pour aller voir des films... Bah tu vois, moi je... C'est crétin qui ont acheté une carte et qui se disent...
Oh, faut que j'aille voir ce film. Ouais, mais t'aimes pas. Ouais, mais c'est pas grave, faut que ça rentabilise la carte. Ah bah non, 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 moi non. Un film que t'aimes pas pour rentabiliser ta carte. Non, 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 non. Au bout d'un moment, voilà quoi. Regarde-moi le Genesis, je le sentais pas, hein. Je te l'avais dit, je le sentais pas. J'y suis pas allé non plus. Hein. Et donc j'y suis pas allé, hein. Et donc j'y suis pas allé. Voilà. Bon, après, je te dirais que par rapport à Terminator 3, je le trouve mieux. Niveau de l'histoire, il y a trop d'un. C'est pas dur, hein. Mais ouais, Terminator 3, c'est vrai que c'était de la merde. Mais voilà. Ah. Encore la bagarre ? Bon, vas-y, je te laisse leur parler parce qu'à chaque fois, moi, je me fais casser la gueule. Et qui va là ? Qu'est-ce que vous faites là ? Il faut être malade pour se balader au beau milieu de cette tempête, à moins, bien sûr, d'avoir une bonne raison de le faire. J'ai mes raisons maintenant là chez moi. J'imagine que j'ai été attiré vers vous comme le papillon vers la flamme, amadoué. En effet, ce sont les bons et vrais immaculés que je recherche. Voilà, j'essaie de convaincre, mais non. Il fait de la pierre, direct, ok. Vous n'êtes pas d'accord. Bon, ben, je fais de la feuille. Bah, il fait que de la pierre, lui. Donc, ok, donc normalement c'est bon, j'ai réussi. Goku a remporté cette discussion. Ah! Vous soutenez la cause des Immaculés, je vous souhaite donc la bienvenue. Venez, on est mieux près du feu que dehors, ok. Oh bah non, mais non, t'as gagné, du coup on peut pas leur casser la gueule. Bah oui, j'ai gagné. Bah moi non, mais franchement. T'as pas gagné. Bah bien sûr que si. Mais je m'en fous qu'on peut pas leur casser la gueule. Bah non, mais. Oh là là. Attends, déjà, est-ce que... Ah, je peux identifier. Donc, je vais identifier. Ah, bah, il a pas la compétence. Ah, bah... Le mec, ça dit que tu peux identifier, mais il a pas la compétence. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Pareil. Donc, vendre. Bon, bah, écoute, mon gars, je vais te remplir les poches de conneries. Hein. Bah, il a pas cette thune, donc... Bon, bah, allez, hop, pense. Il a pas de thune, non, il a zéro. Pas de thune, putain, et zéro. On aurait fait de les buter. Jure, on aurait mieux fait de les buter ceux-là aussi. Voilà, zéro. Ah, j'étais obligé de lui donner de l'argent. Mais ce vent, c'est une véritable plaie. S'écarter du feu de camp revient à signer son arrêt de mort. Nous devrions peut-être attendre que la tempête se calme. Comment faites-vous pour les provisions ? Je veux bien acheter si vous souhaitez vendre. J'ai l'air d'un commerçant. Non, je ne ferai pas d'affaires avec vous. Allez, on va le convaincre. Allez, j'ai tellement d'or. Donne-moi ton oseille, connasse. Botte de neige. Qu'est-ce qu'elle fait la botte de neige ? Rien. C'est génial, ça, des bottes qui font rien. Ah, la magicienne, elle peut identifier mon corps. Des paroles audacieuses, mais vous avez mon intention, bien faisant affaire, parlez à mon amie là-bas, elle s'occupe de la logistique, c'est un lieu charmant, vous ne trouvez pas. Iberheim. Mm-hmm. Mes mains sont engourdies, tout comme mes pieds, mes lèvres sont bleues, voilà, ok. Ok, donc il dit qu'il y a quelqu'un qui vend des trucs. Ah, elle a des sous, elle. Donc elle, est-ce qu'on peut identifier ? Oui. Donc Daglong d'évasion. Déjà, je vais vendre. Je vais vendre la Daglong affûtée. Acheter. Qu'est-ce qu'elle vend ? Des flèches explosives. Ça et ça. Les intestins. But for now, all we can do is wait and kill every elemental that comes close. Voilà.
complètement. C'est quoi? 29-48, mais c'est de la merde. Et elle a le Elisa là. T'as des sous Elisa ou pas? 40 balles. Belle couille, ma couille.